Olivier Plat, vous participez à un programme historique. Vous êtes du grand retour de Ford en compétition, c'est génial. Oh, c'est génial pour moi, en tant que pilote, de pouvoir rouler pour Ford et les types Ganassi Racing, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ouais. Comment est-ce qu'elle est, cette voiture, vraiment? Écoute, elle est, je pense, très bonne. Rien qu'à la voir, on sent déjà tout le potentiel qu'elle a, je pense. Non, j'ai découvert l'auto à Daytona fin novembre. J'ai fait 2 jours de test avec et ça s'est très très bien passé. J'étais assez surpris par les performances et le comportement de l'auto. Donc je pense que c'est de bon augure pour la suite. Alors, il va y avoir naturellement la participation au championnat du monde endurance. Il va aussi y avoir la participation aux 24 heures du Mans. Le mot humilité est dans le vocabulaire de Ford Chip Ganassi en ce moment. Ouais, je pense qu'il faut savoir rester humble, c'est sûr. La concurrence sera là, elle sera très très élevée. Ferrari arrive avec une nouvelle voiture, Corvette aussi, Porsche une voiture qui est déjà bien éprouvée, avec de très bonnes équipes et de très très bons pilotes. Je pense que la bataille en GTE sera vraiment là, je pense que ça risque d'être sympa. Oui, pour Olivier Plat aussi, c'est motivant que de se battre pour la victoire en GT2, en GTE et pas en prototype. Oh, c'est sûr, de toute façon, peu importe, soit prototype ou GT, quand tu es avec un constructeur, tu dois gagner, il n'y a pas de solution. Voilà.